Il y a la période de questions orales. Le chef de l'opposition officielle a vous la parole. Merci. Ma première question ce matin est pour le premier ministre. Le premier ministre a été très cohérent sur une chose tout au long de la pandémie, c'est le chaos. Des problèmes constants, des délais, des lignes d'attente, des files d'attente. On a dû jouer des jeux pour avoir une première dose, des pannes de système. Il a promis un portail de vaccination facile à utiliser. Et ce qu'on vient d'apprendre, c'est que ce n'est pas sécuritaire et ce n'est pas facile à utiliser. Et la PPO a dit qu'il y a eu une fuite d'informations. Elle ne peut pas confirmer combien de données ont été assujetties à cette fuite. Et comment est-ce que le premier ministre a fait en sorte que ce système de portail soit un si grand échec? Réponse, leader parlementaire du gouvernement, merci pour la question de la part de la députée, la chef de l'opposition officielle. Elle devrait savoir que la PPO et leur unité de cyber investigation et on a fait une arrestation et donc on peut continuer d'avoir confiance dans le système. Complémentaire. Bien, Monsieur le Président, l'information des renseignements privés, personnels, devraient être en sécurité, surtout lorsqu'il s'agit des enfants. Et les parents ont le droit de savoir s'il y a un risque, quoi que ce soit, à cette sécurité. Le gouvernement prétend que le vendredi, le 19, qu'il n'avait aucune raison de croire que cette fraude des messages textes était en lien avec le portail. On sait que ce n'était pas fiable comme information. La PPO a dévoilé que la province a demandé l'aide de la PPO le mercredi 17 novembre. Mais ils ne l'ont pas dit aux parents. Donc, ma question est à savoir pourquoi est-ce que le premier ministre n'a pas averti les parents concernant cette fuite des données avant de lancer le portail en ligne pour les rendez-vous des enfants? Pourquoi est-ce que le premier ministre n'a pas tiré les choses au clair lorsqu'il a appris qu'il y avait une fuite des données dans le système? Leader parlementaire du gouvernement, comme je l'ai mentionné, une enquête très rapide et très complète a été faite par la PPO et leur unité de cybercriminalité. On a fait une arrestation. Le système demeure sécuritaire pour tous les Ontariens. On continue de demander aux familles de prendre rendez-vous pour le vaccin. On a un taux de vaccination qui mène dans le monde. On s'approche de 90 % pour la première dose et près de 87 % pour la deuxième dose, contrairement à ce que la leader de l'opposition officielle, lorsqu'elle prétend qu'il y a eu une situation chaotique, ça n'a pas été le cas. On a un des meilleurs taux de vaccination au monde et on a appuyé le système pour en arriver à ce taux. Et on fait tout ce qui est nécessaire pour mettre derrière nous cette pandémie. Un dernier complémentaire. Bien. Les gens ont vu leur renseignement personnel compromis. C'est ce qu'on sait. Et c'est une fuite de données très importante. La seule raison pour laquelle on connaît ces faits, c'est parce que les gens qui ont reçu ces textes, ces messages textes, l'ont dévoilé aux médias. Le gouvernement, plutôt, connaissait la situation et ont décidé de ne pas en parler, de ne pas le divulguer au public et ont demandé les parents de prendre rendez-vous et de continuer d'utiliser le portail qui avait été assujetti à cette fuite de données. Donc, ma question est à savoir qui au sein du gouvernement a ordonné de ne pas divulguer cette information aux parents et qui prendra la responsabilité pour cette tentative de cacher ce fait. Je demandais à la députée de retirer ses propos non parlementaires. Je retire. Leader parlementaire du gouvernement, la question de la part de la députée d'en face démontre les défis auxquels on est confronté lorsqu'il s'agit de gérer la situation avec l'opposition. La PPO a participé à l'enquête immédiatement et a travaillé très rapidement pour arrêter une personne qui travaillait au sein du gouvernement. Au lieu de tenter d'être alarmiste, la chef de l'opposition officielle devrait nous permettre de faire en sorte que plus de parents prennent des rendez-vous pour leurs enfants pour recevoir une première et une deuxième dose du vaccin. Ça devrait être la priorité de l'opposition, de nous aider à mettre la pandémie derrière nous, de nous aider à rebâtir l'économie.
Ça devrait être ce sur quoi la chef de l'opposition officielle se concentre, de remercier la PPO et leur unité de cybercriminalité pour s'assurer de la sécurité du système de prise de rendez-vous. Et au lieu, la chef de l'opposition officielle décide d'aller dans une autre direction et parce qu'elle croit que ça va l'aider lorsqu'il s'agira d'une élection au printemps. Encore une fois, chef de l'opposition officielle, prochaine question. Ma deuxième question est pour le premier ministre, mais de ne pas répondre à ma question concernant les renseignements personnels des Ontariens n'est même pas digne de ce député. Mais le premier ministre a été courant sur un autre enjeu, c'est de ne pas être là, de ne pas être solidaire avec les travailleurs. On a dû tout faire pour qu'ils puissent offrir 3 congés de maladie payés et maintenant, il est en train de les éliminer pour une deuxième fois. Le premier ministre semble penser que la pandémie est déjà terminée, mais le nombre d'infections, comme on le sait, continue d'augmenter. Donc, ma question est très claire. Est-ce que le premier ministre va, en fait, éliminer les 3 congés de maladie payés pour les travailleurs de l'Ontario le 31 décembre? Leader parlementaire du gouvernement, afin de répondre, merci. C'est une question très intéressante de la part de la chef de l'opposition officielle, parce qu'alors que l'opposition demandait pour avoir 1 ou 2 jours de congé de maladie payé, on luttait pour en avoir 23. Donc, on n'était pas d'accord avec la chef de l'opposition officielle lorsqu'elle voulait réduire le nombre de congés de maladie payés qu'on avait mis en place pour les travailleurs de l'Ontario. Mes collègues s'en rappelleront. On était le parti, bien sûr, un des premiers gouvernements au pays pour protéger les travailleurs aux prises avec les effets de la COVID-19. Et bien sûr, l'opposition n'était pas d'accord. On a offert 1 milliard de $ pour venir en aide aux personnes malades pour qu'ils puissent avoir l'aide nécessaire pour rester à la maison et de continuer de lutter contre la pandémie. Mais l'opposition voulait qu'on réduise ces heures. Donc, on va s'assurer que ceux qui ont besoin d'aide et les soutiens nécessaires auront ces soutiens nécessaires. C'est pour cette raison qu'on a mis en œuvre des congés de maladie payés. On n'a pas imposé le fardeau sur les entreprises comme l'opposition l'a demandé, mais c'est nous qui avons assuré cette responsabilité, qui a assumé cette responsabilité. Complémentaire, peut-être que le chef de l'opposition, le leader parlementaire du gouvernement voudrait corriger ce qu'il vient de dire, parce que c'est ce gouvernement qui a voté un nombre innombrable, 27 fois contre les congés de maladie payés. On sait que c'est la période de la grippe. Les enfants peuvent prendre rendez-vous pour le vaccin de la COVID-19 et plus de gens passent du temps à l'intérieur alors qu'il fait plus froid à l'extérieur et donc plus des membres du personnel sont à risque d'être malades. Ils ont besoin de congés de maladie payés pour se guérir, pour protéger eux-mêmes, protéger leurs collègues et leurs familles. Donc, ma question, pourquoi est-ce que ce premier ministre est en train d'annuler et de retirer les 3 congés de maladie payés que les Ontariens ont en ce moment? Leader parlementaire du gouvernement, ce qu'on a voté contre, c'est l'opposition qui voulait imposer le fardeau de ces congés de maladie payés sur les créateurs d'emplois. Ce qu'on a voté contre, c'est l'opposition qui voulait réduire les 23 congés de maladie payés qu'on a négociés avec le premier ministre du Canada, et il voulait le réduire. Et bien sûr, on n'allait pas réduire le nombre de congés de maladie payés pour les travailleurs. Il semble que le chef de l'opposition n'est pas au courant de ce qui s'est passé, mais on a dit aux parents qu'ils doivent prendre leurs enfants pour prendre rendez-vous pour le rendez-vous pour la vaccination, peuvent prendre des congés de maladie payés. Donc, on demande à la chef de l'opposition officielle de travailler avec nous pour que plus de parents puissent prendre rendez-vous pour leurs enfants et pour qu'on puisse finalement vaincre la pandémie et de continuer d'être le moteur économique du pays. C'est ce sur quoi on devrait travailler ensemble et j'espère que finalement, vous allez nous aider à bâtir un meilleur Ontario. Encore une fois, dernière complémentaire. Il semble que le gouvernement semble se vanter de la situation, mais la réalité est qu'on doit avoir des congés de maladie payés permanents dans cette province et le gouvernement doit le faire. Parce que voilà de quoi il s'agit lorsqu'on accomplit quelque chose pour les travailleurs. Comme je l'ai mentionné, c'est la saison de la grippe.
Les gens vont à l'extérieur en raison du froid à l'extérieur. Les vaccins pour les enfants viennent de commencer pour la COVID-19. Et le fait est que les gens vont devenir malades. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre province avec le climat. Donc, ma question, encore une fois, est au premier ministre. Est-ce qu'il va finalement faire ce qui s'impose? Est-ce qu'il va s'engager aujourd'hui à des congés de maladie payés, permanents, un réel programme de congés de maladie payés, une fois pour toutes, et de dire qu'il ne va pas retirer ces congés de maladie payés, les très peu qu'ils ont en ce moment, une deuxième fois? Et, leader parlementaire du gouvernement, encore une fois, ce sont des mesures que nous avons présentées. L'opposition, bien sûr, a voté contre ces mesures parce que il ne pensait pas que ce soit une bonne idée pendant une pandémie que les petits créateurs d'emplois ne devraient pas faire face à ce fardeau financier d'offrir des congés de maladie payés. C'est pour cette raison qu'on les a offerts nous-mêmes, que c'était le gouvernement qui allait payer pour ces coûts. Donc, lorsque le chef de l'opposition officielle nous demande de remettre, de refaire en sorte que ces congés de maladie payés soient payés par les petits créateurs d'emplois alors qu'ils se remettent de la pandémie, je dis très clairement à la chef de l'opposition officielle, non, ce n'est pas ce qu'on va faire. On va continuer de protéger les Ontariens. Lorsqu'ils ont demandé de réduire le nombre de congés de maladie payés de 23 à 3, on a dit non, on veut travailler avec le gouvernement fédéral pour assurer un système qui permet aux gens de se remettre de la maladie s'ils attrapent la maladie. L'opposition va continuer de voter contre toutes nos mesures, mais les Ontariens savent à qui ils peuvent faire confiance pour les protéger. Prochaine question. Député d'Essex, ma question est au premier ministre. Lorsqu'on a posé une question concernant un promoteur qui a tenté d'imposer 100 000 $ de plus pour les acheteurs, le premier ministre a dit que rien ne me dérange plus que cela. Certains promoteurs tentent tout simplement de faire de l'argent sur le dos des travailleurs de l'Ontario. Mais je suis d'accord avec le premier ministre, rien ne me rendrait plus content que de sanctionner ces promoteurs et les amis du Parti progressiste conservateur. De dire ce qu'il a dit n'est pas des actions concrètes. Donc, quand est-ce qu'il va réellement sanctionner et sévir contre ces personnes? Ministre des services au gouvernement et services aux consommateurs, merci beaucoup pour cette occasion de pouvoir répondre à une question. Monsieur le Président, si vous me permettez, je voudrais saisir cette occasion en disant que c'est ma première occasion afin de prendre la parole en tant que ministre des services gouvernementaux et services aux consommateurs, et merci. Et je voudrais reconnaître tous mes prédécesseurs excellents, ministres Thompson, Walker, Smith, et j'ai hâte de pouvoir combler ce poste adéquatement. Et je voudrais remercier le député d'en face qui a soulevé cette question. Notre premier ministre l'a dit très clairement à maintes reprises. On ne tolérera pas des mauvais joueurs qui profitent des Ontariens. C'est le principe de base de notre gouvernement pour la population et nous allons nous assurer qu'on continue de protéger les intérêts des Ontariens. J'ai hâte de pouvoir répondre à la prochaine question. Complémentaire. Si la stratégie électorale du premier ministre est de dire une chose et ensuite de ne rien faire, et nouvelle pour lui, il a déjà perdu. Il a dit qu'il est complètement outré et il va sévir. Absolument, il n'a aucune tolérance pour ce type d'activité. Il va agir contre les mauvais joueurs, que ce soit des personnes qu'on profite d'eux. Donc, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils sont en train d'applaudir son immobilisme, que ce soit pour les papiers de toilette, les EPI, l'essence ou la bière et un dollar qui n'a jamais été concrétisé. Lorsqu'il s'agit d'agir, le premier ministre dit une chose, mais fait son contraire. Il a dit qu'il sévirait
et c'est très facile. En fait, je pourrais travailler avec lui et présenter une motion immédiatement pour le faire. Donc, est-ce que le premier ministre va finalement agir et est-ce qu'il va finalement admettre qu'il ne prononce que des paroles creuses? Ministre, encore une fois, merci pour la question. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je suis très intéressé à pouvoir répondre à cette question. Le premier ministre a été très clair. On ne va pas tolérer les mauvais joueurs et on va protéger tous les Ontariens, tous les travailleurs en Ontario. C'est absolument essentiel qu'on puisse continuer de protéger les consommateurs, tous les consommateurs partout en Ontario. Et nous nous attendons à ce que tous les promoteurs de condos traitent les Ontariens qui achètent des condos avec justice et intégrité. Je sais que les députés d'en face diraient la même chose. Bien sûr, on veut tous s'assurer qu'on traite les consommateurs avec équité. Et on se penche sur la question. Je peux vous dire qu'on a fait beaucoup de travail dans ce domaine. Il y a eu des consultations. En fait, il y a déjà deux consultations pour régler cette situation parce qu'on ne va pas tolérer des mauvais joueurs. Merci. Prochaine question. Député de Halliburton, Coatzacoalcos, Brock. Merci. Ma question est au ministre des Services aux femmes et des enjeux liés aux enfants. La pandémie a fait en sorte qu'on a géré plusieurs défis. Malheureusement, plusieurs femmes, la pandémie a augmenté la fréquence et la sévérité de la violence familiale, voulant dire que plus de femmes ont peur et ont besoin de soutien. Le mois de novembre, c'est le mois de prévention des abus envers les femmes et de mettre en lumière ces situations, les femmes qui se trouvent dans des situations abusives et une façon de s'en sortir, c'est de leur permettre d'avoir accès à un logement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour leur trouver un logement? Ministre des Services aux enfants et aux familles, merci à la députée de Coatzacoalcos, Brock, pour tout son très bon travail. Nous demeurons engagés pour faire tout ce qu'on peut pour appuyer les victimes de violences familiales. C'est pour cette raison qu'on investit 18,5 millions de dollars sur une période de 3 ans pour le programme de transition et de logement. Cela appuie les survivants d'abus familiaux et d'abus sexuels pour leur trouver un logement, ainsi que de ce programme, les travailleurs sont une ressource essentielle pour les survivants, survivantes, pour leur offrir des services de formation, de conseils et des qui leur permettront de transitionner vers une meilleure vie libre de la violence et de la peur. Complémentaire. Merci. Merci, ministre. Encore une fois, la ministre, comme elle l'a mentionné, les survivants et survivantes de violences familiales ont besoin de plus de soutien pour transitionner vers une meilleure vie pour les survivants et survivantes. D'échapper à un abuseur, ça peut être très, très compliqué. Le parcours commence avec un appel à une ligne d'aide pour avoir de l'aide, pour avoir une connexion avec un refuge d'urgence. Lorsqu'ils sont rendus là, ils doivent avoir plus de soutien pour transitionner vers un logement abordable et sécuritaire. Sans ce soutien, ils peuvent être à risque de retourner à leur abuseur. Est-ce que la ministre peut expliquer qui est-ce qui profitera de ce programme et quels sont les résultats auxquels on s'attend? Ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, merci encore une fois à la députée de Halliburton, la Coarta Brock. Comme la députée l'a mentionné, le programme de soutien de transition est une ressource essentielle pour les survivants, survivants qui fuient la violence familiale et la traite des personnes. Notre soutien augmente, bonifie le programme et permet de servir plus de personnes et réduit les écarts dans les services, ainsi que d'offrir plus de services pour les survivants survivantes. Le programme permet aux survivants survivantes, ce qui comprend des peuples autochtones, de se trouver un logement stable pour qu'ils puissent commencer à se remettre de la situation. Ce fonds va améliorer l'accès à un logement stable et de réduire les pressions sur le système de refuge d'urgence. En aidant les survivants et survivantes, ainsi que leurs familles,
On les appuie dans leur parcours pour se guérir et pour être autonomes. Prochaine question, député de Kewetan. Merci. Bonjour. Ma question est au premier ministre. Monsieur le Président, la semaine dernière, la Première Nation Adunonga a appris que les produits chimiques qui produisent le cancer sont 44 fois plus élevés que ce qui est considéré en étant sécuritaire. Après des décennies de lutte contre les gouvernements successifs, ils ont fait une demande d'accès à l'information, ont démontré les niveaux élevés de ces carcinogènes connus et ont indiqué que l'Ontario connaissait les niveaux, étaient bien plus élevés que les normes provinciales. Donc, ce niveau de pollution du benzène ne serait pas acceptable à aucun autre endroit. Pourquoi est-ce que c'est acceptable dans une Première Nation? Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, ce n'est pas le cas. C'est pour cette raison qu'on agit. Depuis qu'on a établi un groupe de santé et de participation avec les peuples autochtones et dans la région, je viens de publier des règlements sur les émissions qui verra une réduction immédiate de 30 % pour le soufre. Et durant les prochaines années, on verra une réduction de 90 % de ce produit chimique. Et grâce à cette collaboration, on a vu une réduction de 50 % du benzène et on continue d'augmenter les pénalités, les amendes, et on exige des rapports publics. Donc, la communauté ne sera plus laissée dans l'obscurité concernant ces informations. Complémentaire autonome a été entouré de tous côtés d'établissements pétrochimiques pendant des décennies. Et les membres de la communauté le savaient que ces établissements l'ont exposé à des méfaits environnementaux. En 2019, le rapporteur des Nations unies sur les produits pétrochimiques a dit que j'ai été frappé par la proximité de la Première Nation à des dizaines de milliers d'établissements, d'usines de fabrication pétrochimique qui a entraîné des émissions de pollution et a touché la santé des résidents autonomes, demande à l'Ontario de travailler avec eux pour protéger, de les protéger contre des méfaits environnementaux. Et comment est-ce que vous allez honorer leur demande? Merci. Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, merci. Merci pour la question. Oui, absolument, j'ai parlé au chef Blain. Et comme je l'ai mentionné, on agit. Lorsqu'on est arrivé au pouvoir en 2018, on a lancé un projet de santé de Sarnia en travaillant avec la communauté Oshanong et en travaillant avec l'industrie aussi. On a émis plus de 1,8 million de dollars en amende pécuniaire. Et on agit, on va réduire de 30 % l'oxyde de soufre et aussi d'apporter une réduction de 90 % sur l'oxyde de soufre d'ici 2026. Ça voudra dire des millions d'investissements dans cette communauté pour améliorer la qualité de l'air. Les communautés méritent mieux. L'ancien gouvernement, sous les libéraux de Windelduka, ont investi zéro dollar et n'ont imposé aucune amende. Ce député a mon engagement en tant que gouvernement. On va travailler avec la communauté et la Première Nation et on va agir. Référé aux députés par leur titre, député de Glengarry Prescott Russell. Merci, M. le Président. Les libéraux de l'Ontario ont été engagés à transformer l'hôpital Peel Memorial et à offrir un troisième hôpital de Brampton pour appuyer leurs besoins en santé. Quand est-ce que ce gouvernement va dire un nouvel hôpital pour Brampton? Rappel à l'ordre, ministre de la Santé. Merci à la députée pour sa question. Mais je dois dire qu'on a déjà promis un nouvel hôpital pour Brampton. On a fait cette annonce il y a quelques mois.
On va ajouter 250 lits pour Brampton ainsi qu'un service d'urgence de 24 heures par jour et on a déjà un financement pour cela. Donc, les gens de Brampton auront accès aux besoins à cet édifice. Complémentaire. Merci. L'année dernière, le premier ministre et son gouvernement ont continué de promettre qu'un nouvel hôpital allait être bâti à Brampton, mais en fait, que ce n'était pas ce que la communauté avait besoin. Est-ce que le gouvernement va arrêter de se féliciter et va finalement bâtir un nouvel hôpital à Brampton, oui ou non? Ministre de la Santé. Mais ça va être un nouvel hôpital. On le transfère de ce que c'était avant. Pour les soins quotidiens, ça va être un hôpital pour 24 heures sur 7. Et je vais citer le maire de Brampton qui a dit dernièrement que Brampton n'a rien reçu pendant deux décennies. Pendant 20 ans, on a été ignoré en dépit du fait qu'il y avait la médecine du couloir institutionnalisée. On aurait dû le faire il y a 15 ans. En fait, ça aurait dû être fait il y a 15 ans par l'ancien gouvernement. Par contre, ils ne l'ont pas fait, mais nous, on va le faire. Prochaine question, député de Perry Sound Muskoka. Merci. Ma question est au ministre des Collèges et des Universités. Actuellement, plus de la moitié des étudiants postsecondaires se sont sentis déprimés et deux tiers ont fait face à l'angoisse. De nouveaux stress en lien avec la pandémie et avec les autres défis de l'éducation postsecondaire ont fait en sorte qu'il y a une augmentation des pires résultats en santé mentale. Ils ont besoin de plus de soutien. En ces moments difficiles, ils ont besoin de ces soutiens immédiatement. Donc, est-ce que le ministre peut nous dire quelles initiatives on met en œuvre pour s'attaquer à ces taux alarmants de problèmes de santé mentale au sein des étudiants postsecondaires? Ministre des Collèges et des Universités, merci, M. le Président. Merci aux députés de Perry Sound Muskoka d'avoir soulevé un enjeu si important qui touche les étudiants. Depuis qu'on a été élu, nous nous sommes engagés à prendre en compte le bien-être de tous les Ontariens, qui comprend les étudiants postsecondaires. On a investi 26 millions de dollars en soutien en santé mentale. Pour les étudiants postsecondaires, c'est une augmentation de 10,2 millions de dollars comparé à l'année précédente. Ce financement comprend des subventions pour les travailleurs et des soutiens des instituts des peuples autochtones. On agit immédiatement pour offrir ces services en santé mentale. Plus tôt ce mois, avec l'énoncé économique, on a été fiers d'annoncer 8,7 millions de dollars d'investissement pour augmenter les soutiens en santé mentale dans les institutions postsecondaires. Ce financement permettra de prendre en compte les services additionnels que les étudiants ont besoin. On va continuer de travailler pour s'attaquer aux défis en santé mentale auxquels sont confrontés les étudiants et j'ai hâte d'en parler plus amplement dans la complémentaire. Complémentaire. Merci à la ministre pour sa réponse. Les étudiants, alors qu'ils ont entamé un virage vers des cours virtuels, beaucoup ont fait face à d'autres stress. Et les étudiants ne savaient pas à quoi allait ressembler leur semestre de l'hiver. Cette incertitude a entraîné des problèmes logistiques, tels que des étudiants dans ma circonscription qui doivent se déplacer pour aller à leur campus, alors que les taux d'infection sont plus faibles et le taux de vaccination est plus élevé, les étudiants devraient pouvoir retourner au campus. L'apprentissage en personne est essentiel pour les étudiants. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'on est en train de faire pour permettre à ce que les étudiants soient de retour au campus pour l'hiver? Ministre, merci. En tant que mère de trois filles qui fréquentent des universités en Ontario, j'ai vu de première main à quel point les étudiants doivent retourner en classe. À l'automne, on a travaillé de très près avec le ministère de la Santé, le médecin hygiéniste en chef et les institutions postsecondaires pour développer un plan de réouverture qui fonctionnait pour les étudiants. Au septembre, les écoles ont démontré qu'ils avaient la capacité d'entamer cette réouverture avec les mesures sanitaires en place. 96 % des étudiants et 95 % du corps professoral sont pleinement vaccinés. Et on sait qu'avec ces taux de vaccination, les étudiants peuvent retourner aux cours en personne. Durant les dernières semaines, on a fait part des frustrations de la part des étudiants concernant l'apprentissage en ligne. Ils ne devraient pas se préoccuper concernant l'incertitude concernant les cours l'hiver. C'est pour cette raison qu'on travaille avec nos partenaires postsecondaires pour offrir des soutiens aux institutions
alors qu'ils se préparent au semestre de l'hiver pour réouvrir en toute sécurité. Ma question est pour le Premier ministre. Ma commettante Erin est une mère de jeunes enfants, y compris un bébé qui ne peut pas se faire vacciner ou porter un masque. Erin m'a dit qu'elle s'appuie sur sa pharmacie locale pour acheter les couches et les médicaments pour son bébé. Maintenant, elle a peur que son bébé sera à risque si elle se rend dans cette même pharmacie où des personnes asymptomatiques se feront tester. Est-ce que le Premier ministre est prêt à inverser cette décision? Réponse, ministre de la Santé. Merci beaucoup pour cette question. Mais j'ai peur que nous avons des visions différentes. Nous voulons qu'il y ait plus d'endroits de tests ici en Ontario à cause de l'hiver qui arrive. Nous voyons que les chiffres, certains chiffres sont en hausse et le nombre de cas dans les UCI également sont en hausse. Et donc, il faut qu'il y ait plus de tests. Et donc, ils peuvent toujours envoyer quelqu'un pour se faire tester, pour se rendre dans les pharmacies pour obtenir des médicaments. Les pharmacies auront des entrances séparées si nécessaire et auront assez d'espace pour la distanciation physique pour assurer que les autres clients seront également en sécurité. Question complémentaire. Encore une fois à la ministre, le gouvernement Ford a permis les tests dans les pharmacies pour les personnes asymptomatiques. De ce fait, les Ontariens à chaque jour sont effrayés d'aller dans ces endroits pour obtenir des services essentiels. Une de mes commettantes également est très inquiète de se rendre sur ces sites de tests symptomatiques malgré qu'il y a un centre de test dans un hôpital à quelques pas de la pharmacie. Est-ce que la ministre de la Santé pense que c'est correct pour les gens avec des symptômes de la COVID-19 de se rendre dans ces endroits alors qu'il y a un autre hôpital à côté? Est-ce que vous êtes au courant que la COVID-19 se transmet par l'air? Réponse, je peux assurer à la députée de l'opposition que la politique a été mise en place pour permettre aux familles, aux pharmacies d'adhérer à ces tests pour les individus symptomatiques et asymptomatiques et pour assurer que c'est fait de façon sécuritaire. Nous avons des mesures en place pour assurer que les mesures seront sécuritaires. Nous avons des inspections également pour assurer que tout se fera dans la plus grande sécurité. L'Ordre des pharmaciens a approuvé cette stratégie, les épidémiologues également. Et en fait, Dr Moore avait cela à dire par rapport à ce partenariat. Nous apprécions le partenariat avec les experts en pharmacie qui seront en mesure d'assurer que les tests sont faits de la meilleure façon possible. Nous travaillons dur avec eux pour assurer qu'il y a des protocoles de contrôle des infections et que tout est fait de la meilleure des façons. Prochaine question, député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Avec tant de jeunes familles qui emménagent à Clareton, nous devons penser à comment augmenter les capacités dans nos écoles. Les écoles primaires de Clareton ont été l'endroit où de nombreux élèves ont reçu leur éducation et malheureusement, hier, cette école a été fermée. J'ai été heureuse d'entendre l'annonce qui a été faite hier par rapport à la construction de nouvelles écoles. Quand est-ce qu'une nouvelle école se fera à Clarington? Réponse, adjoint parlementaire. Merci à la députée de Durham pour sa question et pour son travail de militantisme sur ce sujet. Ça fait longtemps qu'elle travaille là-dessus et je sais que ses commettants également comprennent l'importance de la construction de nouvelles écoles sécuritaires et modernes, pas seulement dans sa région, mais partout à l'Ontario. C'est pour cela que j'ai été heureux de voir le ministre de l'Éducation se joindre au ministre de l'Infrastructure pour annoncer un nouvel investissement de 600 millions de dollars pour des projets d'aménagement. Et
C'est très important d'assurer que dans notre province, nous bâtissons de nouvelles infrastructures. Après des années de négligence de la part du gouvernement libéral, c'est notre gouvernement qui prend les bonnes décisions. Question complémentaire. Merci. J'ai toujours trouvé que le ministre de l'Éducation et son adjoint parlementaire et leur équipe ont toujours été prêts à écouter les préoccupations des personnes de Durham. Kawarta Pine, qui a siégé dans le conseil scolaire, a parlé justement de ce problème. De nombreuses familles m'ont demandé également de mettre en lumière ce problème. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de bâtir une école à Clarington? Réponse. Adjoint parlementaire, merci encore à la députée de l'opposition. Elle a tout à fait raison. Notre gouvernement investit dans la construction de nouvelles écoles et l'annonce d'hier parlait de 565 millions de dollars pour bâtir de nouvelles écoles dans les communautés, y compris celles que vous avez mentionnées et que vous représentez. Cela inclut 24 nouvelles additions permanentes ainsi que des rénovations à 1150 espaces de garderie. Et cela va s'ajouter à 19 700 espaces pour les élèves qui seront bâtis également. Notre premier ministre et le ministre de l'Éducation ont renouvelé leur engagement à assurer que chaque communauté dans la province reçoive des services éducatifs de qualité avec les services technologiques nécessaires pour rendre les écoles plus accessibles. Et donc, les détails seront communiqués bientôt. Prochaine question, député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Agriculture. L'agriculture est différente des autres carrière. Il faut travailler 365 jours sur 365 pendant de longues heures et avec un degré élevé de stress. Les conditions de météo imprévisibles, l'isolement social, le travail lourd et les défis font de cette profession une profession encore plus difficile qui a été exacerbée par la COVID-19. Les fermiers ont vu des problèmes survenir à la suite de la COVID-19. Est-ce que le ministre peut nous expliquer quelles sont les étapes que le gouvernement a prises pour répondre à la santé mentale, aux défis de santé mentale auxquels font face les agriculteurs? Réponse. Merci. Et je remercie le député de Whitby pour cette question importante. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de me rendre au nord de Oshawa et Pickering avec le ministre et le député Ko, et nous avons visité une ferme et nous avons vu le dévouement et la passion dont font preuve les agriculteurs. Et c'est ce qu'on voit de la part des agriculteurs partout dans la province et on doit leur montrer que nous les soutenons. C'est pour cela que je suis heureuse d'annoncer à tout le monde que le lundi prochain, nous allons annoncer un programme de 7 millions de dollars sur toute l'année pour appuyer les agriculteurs et leurs familles. Le député a raison. Dans quelle autre profession les travailleurs s'adonnent à la tâche 365 jours sur 365? Et ces jours voient de nombreux défis. C'est pour cela que nous allons faire cette annonce. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et encore une fois, au ministre, je suis heureux d'entendre que notre gouvernement va investir des millions de dollars pour financer ces programmes de soutien à la santé mentale. Cependant, un des problèmes majeurs relatifs aux défis de santé mentale est que les personnes qui en ont le plus souvent besoin ne demandent pas de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. Et cela complique leurs problèmes, surtout quand il s'agit des agriculteurs dans ma circonscription. Ils refusent d'en parler. Est-ce que le ministre peut nous expliquer quelles sont les premières étapes pour appuyer ces fermiers qui ont besoin d'aide? Réponse. Le député a raison.
Ça va entre les coûts de production, les conditions de météo imprévisibles, l'accès au marché. Ces agriculteurs travaillent dur pour produire de la nourriture de qualité pour nous et nous devons les défendre. C'est pour cela que nous avons un programme de 7 millions de dollars qui sera fourni à travers ces programmes. Et ce sont des programmes qui sont conçus spécialement pour fournir de l'aide aux fermiers. Et ce sont des initiatives très populaires dans la circonscription et dans la province, comme Deborah Van Berkel, qui travaille dans l'Est de l'Ontario et qui a été un exemple. Et son patrimoine nous a permis de rebondir sur ce succès et pour aider d'autres fermiers partout en Ontario. En plus de cela, nous avons un réseau de tuteurs. C'est un réseau de prévention de la suicide, du suicide. Et il s'agit de former des individus à reconnaître les fermiers ou les familles de ces fermiers qui font face à des défis de santé mentale. C'est une excellente nouvelle pour l'Ontario. Prochaine question, député de Hamilton-Mountain. Merci. Ma question est pour le premier ministre. Aujourd'hui, le gouvernement de Ford est supposé revenir à la table de négociation avec les fédéraux pour régler le problème des coûts de services de garde. Le seul problème, c'est que le gouvernement n'a toujours pas remis leurs propositions détaillées, n'ont toujours pas donné leur plan d'action, communiqué leur plan d'action au gouvernement fédéral afin qu'ils puissent finaliser l'entente. Les parents sont aux prises avec les coûts de la vie et ils ont besoin de cette entente de 10 $ par jour pour les services de garderie abordables. Quand est-ce que le premier ministre va arrêter de retarder les choses et va finaliser cette entente? Réponse. Monsieur le Président, en fait, c'est les néo-démocrates qui veulent qu'on se contente du strict minimum. Nous avons un gouvernement fédéral qui doit travailler avec la province de l'Ontario pour pouvoir obtenir des services de garde quotidiens de 10 $ par jour. Nous travaillons avec eux pour cela. Le gouvernement fédéral avait présenté une offre initiale et nous leur avons expliqué que ce n'était pas assez pour nous. Le gouvernement fédéral n'est pas revenu vers nous pour nous dire que c'était une offre à prendre ou à laisser. Nous avons essayé de leur expliquer les différences que nous avons par rapport aux autres provinces. Nous ne pouvons pas juste accepter ce que le gouvernement fédéral nous donne si ce n'est pas la bonne solution. Nous savons que les néo-démocrates sont comme eux, ils auraient dit oui à tout. Eux, ils veulent qu'on leur donne. Eux, ils veulent accepter n'importe quelle somme, mais nous, on veut cette entente de 10 $ par jour. Réponse. Aux questions complémentaires. À chaque jour, ce gouvernement continue de retarder les choses et de contourner les problèmes. Et cela coûte des dizaines de milliers de dollars aux parents de leur propre poche. Et cela est également onéreux pour notre économie. Les Ontariens ont trop souffert. Et le fait que le premier ministre ne s'est même pas présenté, ne s'est pas dérangé pour se présenter ici pour parler de cette entente. Ça montre qu'il ne se soucie pas de cette entente. Il doit prendre les bonnes décisions parce qu'il y a trop de choses importantes en jeu. Les premiers ministres conservateurs au Manitoba, au Saskatchewan et même Jason Kenney en Alberta a réussi à mettre de côté leur petitesse et leur mesquinerie pour accepter cette entente de 10 $. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose ici? Réponse. À chaque jour, nous essayons de les aider. Nous essayons d'aider les néo-démocrates à comprendre comment est-ce que les gouvernements fonctionnent et comment est-ce qu'on peut travailler. Nous avons en Ontario un partenaire qui veut nous aider à arriver à 10 $ par jour, malgré le fait que nous avons des différences par rapport aux autres provinces. Nous ne pouvons pas juste croiser les doigts. Nous devons obtenir cette entente. C'est ça notre objectif. C'est vrai que les libéraux ont complètement brisé le système et ont augmenté les taux. On veut une entente qui est
favorable pour les familles et qu'on ait ce fondement pour les décennies à venir et pour les familles ontariennes et qu'on soit prêt à régler tout problème qui puisse survenir. Question, député d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Je viens d'obtenir un amer goût de la réponse qui pourrait m'être donnée à cette question. Les coûts de garde à Toronto coûtent jusqu'à 19 000 $ par année. Les gens qui ont des salaires minimums gagnent jusqu'à 27 000 $ par année. Le ministre de l'Éducation a reconnu que les services de garderie sont inaccessibles et ne sont pas abordables. Et pourtant, nous avons attendu encore et encore pour une entente de 10 $ par jour, car les parents, surtout les femmes, les mères, doivent retourner sur le milieu du travail. C'est pour cela que nous voulions qu'il y ait une négociation, mais le gouvernement refuse. Le gouvernement fédéral a dit qu'il n'y a pas de plan d'action. Et s'il n'y a pas de plan d'action, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant? Est-ce que cela semble familier? Ma question est, pourquoi est-ce que ça prend si longtemps pour le gouvernement de fournir un plan et de négocier une entente qui sera favorable aux familles et à notre économie? Réponse. Monsieur le Président, maintenant je sais pourquoi Stephen Dordoka refuse de rejoindre cette Assemblée. C'est très difficile de raisonner avec les libéraux. S'ils avaient eu un cinquième mandat, peut-être qu'ils auraient pu bâtir l'hôpital de Brampton. Mais nous, on a réussi à régler ces problèmes en un seul mandat. Leur premier engagement, d'après ce qu'on a entendu, c'était en 1993. Et ils ont pensé qu'ils avaient fait un grand coup. Mais voilà ce que nous, on va faire. Le gouvernement conservateur progressif va répondre aux problèmes de services de garde trop élevés. Tout comme on l'a fait auparavant, c'est encore le gouvernement conservateur qui a bâti les systèmes de métro et on va répondre aux problèmes pour les familles ontariennes. Complémentaire. Merci. Ce gouvernement dit qu'ils sont concentrés à promouvoir une économie en santé, une économie saine. Et pourtant, ils continuent de retarder les choses quand il s'agit des actions et des emplois et des services de garde. Le gouvernement dit qu'il attend d'obtenir une entente équitable. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que les familles sont supposées faire? Est-ce que le ministre ou le premier ministre va donner la priorité aux familles et signer une entente aujourd'hui? Leader parlementaire du gouvernement. Ce qui est étonnant, c'est que les libéraux sont si passionnés par ce sujet quand on sait que, quand ils étaient au pouvoir, les taux de services de garderie étaient les plus élevés. En fait, ils sont montés jusqu'à 40 %. Il faut penser à comment est-ce qu'ils ont affecté les Ontariens et les familles ontariennes. En plus de cela, ils ont augmenté les factures d'électricité, des milliers d'emplois ont été perdus à cause des politiques qu'ils ont mises en place. Mais voici ce que nous avons fait. Notre gouvernement va réussir à faire le travail pour les familles ontariennes au sujet des services de garderie abordables. Je lui donne ma parole. Nous allons finir le travail que les gouvernements d'Arduka et Wynne n'ont pas été en mesure de faire et nous allons le faire dans notre premier mandat. Question. Député de Sudbury, merci beaucoup. Ma question est pour le Premier ministre. Bob Rees est une de mes commettantes à qui on a prescrit de l'opium après un accident grave au travail. Elle a pris ses médicaments tels que prescrits et est devenue dépendante. Elle a déposé une plainte auprès des autorités contre le médecin qui lui avait prescrit ce médicament. Maintenant, elle fait face à de l'itinérance et elle n'a pas de soins. Et ces injustices continuent. De nombreuses personnes comme Barbara font face à ce problème de dépendance. Et de bon nombre de personnes ne sont pas chanceux et n'ont pas d'aide à ce domaine. Alors, quand est-ce que le gouvernement va agir
et régler ce problème de surdose lié à la crise opioïde? Réponse. Merci pour la question. Nous savons qu'il y a un problème de surdose relatif aux polysubstances dans la province de l'Ontario. L'une des premières choses que nous avons fait en tant que gouvernement, c'était de créer une feuille de route qui prenait en compte la compréhension des différents besoins des Ontariens et des personnes qui vivaient dans la province de l'Ontario. Et c'est pour cela que nous avons annoncé 32,7 millions de dollars de financement annuel pour cibler le soutien et le traitement relatif à ces surdoses et ces dépendances en opioïdes. Et aussi pour ceux qui ont les troubles relatifs à la prise d'opioïdes. Nous voulons également augmenter les thérapies axées sur les preuves pour aider ces personnes qui sont aux prises avec ces dépendances. Et je vais en dire plus dans ma question, dans ma réponse supplémentaire. Question complémentaire, merci. Le ministre a dit beaucoup de choses, mais il y a deux ans, le Parti conservateur a voté contre mon projet de loi qui allait déclarer la crise de surdose relative aux opioïdes dans le nord de l'Ontario comme une urgence. Ils ont voté contre ce projet de loi. En novembre dernier, j'ai dit au premier ministre, pendant la période des questions, que j'avais marché avec Denise et deux de ses filles et que pendant notre marche, son fils Miles avait fait une crise de surdose. Il est décédé de cette crise parce qu'il n'a pas pu recevoir d'aide. Il avait seulement 22 ans. L'année dernière, en septembre, a eu lieu la cérémonie de commémoration pour Miles et ses deux filles. Et ces deux filles étaient présentes et on a ajouté 51 croix en mémoire de ces personnes. Il y a eu 167 croix de plus. Alors, qu'est-ce que le premier ministre va faire par rapport à toutes ces croix qui sont ajoutées et qui viennent de ces problèmes? Réponse. Nous prenons les mesures nécessaires. Nous avons investi les financements nécessaires dans le sud et dans le sud de l'Ontario et dans les zones rurales également. Et cette année, nous étions fiers d'investir 75 millions de dollars de plus dans les services de santé mentale et les services contre la dépendance. Le gouvernement a également annoncé que nous allons continuer les financements de 225 millions de dollars. Et à travers ce financement, nous avons annoncé 32 millions de dollars de plus qui ciblaient les services contre les dépendances ainsi que les traitements en ce qui a trait à l'opioïde. Nous avons ajouté 13 millions de dollars de plus pour aider les personnes à trouver du soutien et avoir accès à ce soutien quand ils en ont besoin. Nous avons un problème dans la province relatif à la surdose et nous devons y répondre. Prochaine question. Député de Guelph. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Le lundi, la vérificatrice générale a publié un rapport effrayant qui présentait le fait que le ministère de l'Environnement ne protégeait pas vraiment l'environnement. Ce qui était particulièrement perturbant, c'était que ces révélations de la vérificatrice générale révélait que des milliers de déversements de produits toxiques menaçaient la santé des gens et les lieux de travail des gens. Et le prix de ces pollutions de façon annuelle s'est élevé à 5 millions de dollars. Et pour empêcher ces déversements toxiques, ils tiraient l'argent des poches des contribuables. Et ce qui a donné lieu à des dizaines de milliers de dollars de coûts non récupérés. Est-ce que le Premier ministre va s'engager aujourd'hui à protéger la santé des gens et l'argent des contribuables en s'engageant à faire tout en son pouvoir pour empêcher ces déversements toxiques? Réponse. Merci, ministre de l'Environnement. Merci aux députés pour cette question. Pour répondre simplement, oui, à chaque année, nous avons reçu des milliers de rapports de la part des Ontariens au sujet de ces déversements. En 2020,
Le centre d'action a dû gérer jusqu'à 93 779 appels. Et je suis sûre que le député sera conscient du fait que chaque appel est unique dans sa nature et demande un niveau différent de réponse. Certains sont majeurs, certains sont mineurs. Et clairement, le ministère enquête chaque cas. Et c'est pour cela que nous avons pris des mesures. Nous avons lancé une nouvelle application qui s'appelle ECHO et qui a pour but d'autonomiser les citoyens à rester engagés. Et vous savez quoi, à Niagara, nous continuons de financer cela. Nous sommes en tête et nous allons continuer de rester en tête. Question complémentaire. Clairement, le ministre n'a pas lu le rapport de la vérificatrice générale. Les inspections proactives sont en baisse de 35 %. Le résultat du manque d'inspection et la prévention des déversements chimiques ont de vraies conséquences. Selon le rapport de la VG, ces déversements et ces pollutions donnent lieu à des accidents sur les lieux de travail qui s'élèvent à 800 et 600 cas de cancer dus à la pollution de l'air, 6600 décès prématurés à cause de cette pollution. Alors, ma question est, est-ce que le ministre va s'engager aujourd'hui à utiliser tous ses pouvoirs pour minimiser les dégâts de ces déversements qui, selon la vérificatrice générale, dit qu'il n'y a pas de coût, il n'y a pas de moyen de recouvrir les coûts? Réponse. Le député n'a pas compris ma réponse, apparemment. C'est exactement ce que nous faisons. Non seulement nous voulons que les citoyens soient engagés, mais nous voulons également utiliser la technologie la plus récente. Nous ne voulons pas utiliser des outils désuets où les gens doivent encore appeler pour obtenir des informations. Nous devons vivre à l'ère du 21e siècle. Nous voulons être le plus transparent possible et pouvoir punir les contrevenants. Nous essayons d'agir là-dessus en étant plus transparent avec nos données et en mettant à jour nos données. Nous voulons être plus transparents parce qu'on sait que les citoyens se préoccupent de leur environnement naturel et on s'appuie sur la technologie récente pour mieux faire. Prochaine question, député de Brampton Est. Merci. Ma question est au Premier ministre. Brampton est une ville d'environ 700 000 habitants et nous faisons face à une crise sanitaire qui a été déclarée avant la pandémie et qui a été empirée par la pandémie. Au lieu de régler ce problème, le Premier ministre l'utilise pour créer des dégâts, pour jouer des jeux politiques. Il a fait des promesses vaines, des promesses électorales vaines de bâtir un nouvel hôpital et il n'a pas été en mesure d'inclure dans le budget de l'énoncé économique d'automne un financement pour cet hôpital. Les gens en ont marre. Est-ce que le gouvernement conservateur va s'engager aujourd'hui à assurer que notre hôpital de Peel Memorial est converti en un hôpital avec une salle d'urgence de 24 heures et le nombre de lits nécessaires? Réponse, ministre de la Santé. Merci au député pour sa question. Notre gouvernement est au courant des besoins des habitants de Brampton. C'est une communauté qui s'accroît rapidement et nous remercions les députés de Brampton Sud et Brampton West qui ont été des militants pour leur communauté à ce sujet. Et nous sommes reconnaissants de cela. Nous avons hérité d'un système qui a été négligé pendant 15 ans par le gouvernement précédent et nous n'allons pas faire la même chose qu'eux. On veut s'assurer que Brampton a les hôpitaux nécessaires. Nous avons investi 9,5 millions de dollars pour appuyer l'aménagement de salles d'urgence et nous avons ajouté également 250 lits. Et je tiens à citer le maire de la ville. Nous allons obtenir un milliard de dollars, qui est l'investissement le plus large dans la santé dans notre ville. Il n'y a aucun maire au Canada qui ne serait pas ravi d'obtenir ce genre d'investissement. Merci.
Question complémentaire, je reviens au premier ministre. On peut citer le maire de Brampt et on peut aussi citer le premier ministre de l'Ontario qui est venu à Brampt et qui a dit qu'on va juste construire un hôpital en 2023 après la prochaine élection. Et ça ne va pas pallier à la crise du logement et arrêter la médecine du couloir. Et à chaque année, on traite des gens. Le premier ministre est venu à Brampt et a fait un arrêt de pré-campagne et a donné des promesses électorales vides. Est-ce qu'on va arrêter de jouer de la politique avec la crise des soins de santé? Et on va s'assurer qu'à Brampton, il y a trois hôpitaux entièrement financés. Du côté du gouvernement, s'il vous plaît, faites attention, la ministre de la Santé. Pour donner des nouvelles à ce député, ça prend plus d'une année pour construire un hôtel. On a une planification détaillée. Il y a 1,1 million de dollars pour la planification pour les urgences. Il y a des négociations actives. Les gens à l'hôpital du ministère de la Santé, c'est un projet qui va avancer. Et on a donné un engagement et on remplit nos engagements pour assurer que ça a une urgence qui travaille 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour la population de Brampton. Et on aura 250 nouveaux lits pour la population qu'ils méritent. La question